Bonjour, je m'appelle Warren Boukli et je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Jordan Dassil. Bonjour, je m'appelle Jordan Dassil. Je suis en seconde. Oui, c'est que tu avais fait là. En section Chaudron. Bonjour, moi c'est Eric. C'est Eric. Bah, en gros, ouais, on va faire un espèce de globe. Où il y aura les pays du monde, en fait, un globe terrestre en métal, ce qui est un peu la chelonnerie, quoi. Enfin, c'est un métal assez fin. On va utiliser le laser pour dessiner les pays, voilà. Et oui, il y aura un socle, un socle. Ouais. Il va être mis au projet culturel de l'Olympia, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Donc, c'est dans le cadre de l'Olympia culturel des Jeux Olympiques de 2024. Confiance, en fait, ça. On donne cette responsabilité. Ouais, cette responsabilité. Je suis Karine Patner, proviseure au lycée Gustave Eiffel de Varennes-sur-Seine. Je m'appelle Sabine Delaveau, je suis conseillère principale d'éducation au lycée Gustave Eiffel et également référente culture. Je suis ravie d'avoir été sollicitée ainsi que mes équipes et mes élèves pour participer donc à la conception de cette flamme de la culture dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Donc le lycée Gustave Eiffel a l'habitude de travailler avec l'ADAC depuis plusieurs années. Nous sommes un lycée professionnel en fait qui a toujours la volonté d'avoir une démarche d'ouverture culturelle et qui mène depuis de nombreuses années des projets en collaboration avec l'ADAC. Et donc j'ai hâte de pouvoir présenter avec la collaboration de la Monnaie de Paris un objet finalisé qui voyagera d'établissement en établissement pour mettre en valeur les compétences et les savoir-faire de mes élèves et de mes équipes. Notre culture de projet est assez ancienne au lycée Gustave Eiffel. Nous n'avons pas, attendu tout ce qui est donc mis à l'honneur maintenant au niveau des chefs-d'œuvre, puisque l'estime de soi, l'envie d'aider les élèves, l'envie, la bienveillance, se mettre au niveau des élèves pour les faire progresser, les ouvrir sur leur monde et les intégrer à la vie, à la citoyenneté. Donc tout ça, c'est un tout. Donc voilà. Bonjour, je suis Luc Gallo, je suis directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au sein du lycée Gustave Eiffel à Varennes-sur-Seine. Bonjour, je m'appelle Élise Fragnat, je suis professeure documentaliste au lycée Gustave Eiffel. Je m'appelle Catherine Seguin, je suis enseignante en art appliqué au lycée Gustave Eiffel de Varennes-sur-Seine. Nous agissons dans l'Olympiade culturelle 2024 et pour lesquelles on nous a demandé de réaliser un trophée. Ici au lycée, pour nous, la culture est très importante, que ce soit d'un point de vue littéraire, scientifique et artistique. C'est pour ça qu'avec mes collègues, mais aussi avec les CPE et divers acteurs extérieurs, nous travaillons sur divers projets comme ça. Et donc on nous a donné l'opportunité de travailler sur un très beau projet qui s'appelle la flamme de la culture. Pour moi, l'objectif en tant qu'enseignante en art appliqué, c'est d'essayer d'emmener les élèves au-delà de leurs limites, au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Peut-être aussi de créer du lien entre l'enseignement général et l'enseignement dans les ateliers. On est très honorés, même très fiers d'être sollicités pour réaliser ce trophée, car on met à l'honneur les élèves, on met aussi à l'honneur ce travail manuel qui est réalisé par eux-mêmes. Et puis, on valorise aussi l'apprentissage. Ça prouve qu'on nous fait confiance, qu'on peut compter sur nous.
c'est la première fois qu'on fait un projet artistique pour quelque chose et moi je trouve ça cool. Je trouve ça classe quoi. Moi je me disais que la chaudronnerie d'art ça pourrait m'intéresser et du coup voilà un projet d'art donc je me dis ça peut faire gagner de l'expérience dans ce domaine et en plus. Ouais voilà on apprend de plus.